toutes et à tous au Dynamic Game de Challant sur la chaîne Dynamic Games. Donc, on est là pour vous faire découvrir, vous connaissez Pierre déjà? Oui. Notre ami Pierre, Mario, Princess Peach, sale. Mamie Peach ou plutôt. Mamie Peach, on est en plus soft. Donc voilà, donc on va faire découvrir quelques petits jeux qui sont sortis dernièrement. Et on va vous parler, à la fin je vous parlerai d'un nouveau jeu qui va arriver, qui a été décalé au mois d'avril, le 28 avril je crois. Qui est vraiment très très bien pour ceux qui aiment Star Wars. Donc quels sont les premiers jeux que tu veux nous faire découvrir mon ami? Donc en tout premier lieu, c'est Bayonetta Origin. Voilà, ben, tu peux le montrer. Oui, voici. Voilà. Bayonetta Origin. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit jeu sympatoche? Donc c'est un jeu où en fait on a une fille et comme une sorte de démon un peu. qui aventurent ensemble et au fil de l'aventure en fait vous avez différents niveaux, vous pouvez affronter plusieurs monstres et le monstre justement de la fille a plusieurs pouvoirs, il peut maîtriser par exemple les quatre éléments, eau, feu, plantes aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est un jeu très sympa, on peut aussi c'est un peu comme un dessin animé en jeu. Ouais, ils ont fait Shining en fait, façon dessin animé. Oui. Mais il faut avancer avec les deux personnages. Tu peux pas avancer indépendamment toute seule la fille ou tout seul. Il faut récupérer le démon dans une petite plante. Et après, vous pouvez l'utiliser en plateforme aventure. C'est un très bon jeu, mais par contre, attention, costaud. C'est pas comme le Bayonetta, le vieux Bayonetta où on avance une fille hyper sexy, hyper dynamique. Tue tout le monde à coups de katana et de sabre. Là, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus recherché en cell shading. Donc très bon choix, mon ami. Très bon choix. Le suivant. Alors, vous devez connaître peut-être pour les plus vieux d'entre nous. Je pense, oui. Donc, Metroid Prime Remastered. Donc, c'est Samus, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous voyez le petit personnage. Donc, c'est un jeu très sympa dans tout ce qui est... J'imagine en déguisement. On aurait dû le déguiser encore une fois. On va trouver un déguisement pour les prochaines vidéos, c'est promis. Ouais, on fera peut-être le costume avec Mamie Peach. Peut-être. Peut-être, on verra. Donc c'est un peu tout ce qui est univers Mario, tout ça, où en fait c'est une fille en robot, et vous vous aventurez à travers plein de mondes, vous affrontez plein de monstres. C'est super bien, ça fait un peu penser à l'univers robotique et tout ça, donc très bon jeu à conseiller. Voilà, très bon jeu, c'est vrai que graphiquement parlant, ils ont vraiment amélioré, mais pour ceux qui ont joué sur la version GameCube qui est déjà sortie auparavant, c'est un jeu qui est exactement pareil. Donc soyez pas déçus, mais il est pas cher du tout. Faut le rappeler, le prix, c'est combien le prix? Tu t'en souviens? 39,99€. Ouais, c'est ça, 39€. Donc 39€, il n'y a pas de 99 chez nous, c'est 39. 39. Donc 39€ pour ramener vos jeux, pour avoir les réductions, comme d'habitude, dans tous les Dynamic Games. Donc ça, c'est des jeux un peu particuliers qu'on trouve tout le temps chez Dynamic Games, des petits jeux indépendants. Donc on vous conseillera au mieux, comme d'habitude. Et puis moi, je voudrais vous parler de celui-ci, que vous connaissez sûrement, c'est pareil, c'est un Remastered, Resident Evil 4. Donc Resident Evil 4, très très bon titre, il a été restructuré complètement, graphiquement il est magnifique, il ferait encore toujours aussi peur, mais, puis il y a le singe qui fait à côté de moi, c'est un jeu qu'on vous conseille pour ceux qui aiment bien les Resident Evil, voilà, c'est comme les vieilles, c'est pas en vue subjective comme les derniers, on est en vue de dos du personnage, troisième personne, mais c'est assez dynamique, d'ailleurs on va vous montrer quelques images de tous ces jeux là, on va commencer par Bayonetta Origin, on y va? Peggy 12. Never enter that forest. You would soon become a snag for one of the fairies who live there. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Oh! There must have been a rabbit or something. Right, Cheshire? Did I manage to summon a demon that has now possessed Cheshire? Dearest Cereza. Mummy? Don't worry, I'll send you home. Good.
I will give you the power to save your mother. Ceresa and the Lost Demon. Eat up! Peggy 18. About to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to. Allez Mario, viens, viens, viens. Oh, on n'est pas Mario, nous. Donc ça, c'est les accessoires que vous trouverez au magasin en vente, hein, bien sûr. Donc je ne sais pas si vous avez aimé les jeux qu'on vous a présentés, donc ils ont vraiment de très bons titres. Et le dernier petit jeu dont je voulais vous parler, c'est le Star Wars Jedi Survivor, la suite de Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order, qui est sorti sur les différentes consoles, c'est sur Xbox, PS4, etc. Là, la suite de ce jeu-là, donc la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, sort uniquement sur Xbox Series X et uniquement sur PS5, donc deux consoles, donc les next-gen. Donc graphiquement, il est superbe, il est magnifique. Ceux qui aiment Star Wars, c'est un jeu à pas louper. L'inconvénient, c'est qu'il est sur les nouvelles générations, donc on va avoir un peu de sous pour avoir les nouvelles générations, même si ça commence à être disponible maintenant.
Et puis, c'est 5 ans après le Fallen Order. Donc, l'histoire est assez sympa. Il y a beaucoup d'enchaînements. Il y a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Il peut contrôler les animaux. Il est magnifique. On va vous montrer une petite vidéo avant la fin de cette superbe vidéo avec mon ami Marie. Oui. Et puis, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as passé? C'est bien passé? T'as pas autre chose à... Il a autre chose à vous annoncer? Oui. Je vais le laisser tout seul parce qu'il fait une animation dehors. Mais après le générique. Enfin, après le... Après le générique. Vidéo, bon, bah, ok. On vous montre vite fait Star Wars. C'est parti. C'est parti. It's been a long 5 years. They've tried to resist. Fear and mistrust rule the galaxy. Look into the fire. It will warm you, keep you company. But left unchecked, it will consume everything until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond her grasp. But I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. A place that's worth fighting for. No matter the cost. Donc voici du coup la vidéo Star Wars que vous avez vue. Donc c'était c'est une très belle vidéo, très bon jeu, je vous le conseille. Et maintenant du coup je passe à mon action commerciale parce que en fait pour vous expliquer je suis en baccalauréat professionnel et j'ai pour projet de présenter un stand de jeux vidéo et volant le vendredi 7 avril. Donc si vous voyez cette petite affiche dans les rues, c'est moi, enfin c'est le Dynamite Games de Chaland. Hop. Donc vous aurez sur ce stand de jeux, des jeux Wii, des jeux Nintendo DS, PlayStation, la 1, 2 et 3 en jeu, et aussi la Xbox 360, mais aussi d'autres volants que vous pourrez remettre sur des jeux de console. Donc voilà. Yo Pikachu. Donc effectivement, il fait une petite animation dehors, il y a des super affaires à faire, c'est du déstockage magasin. Donc c'est pour son action co. Venez l'encourager. Venez si vous pouvez. Donc voilà, et puis je vous dis à très bientôt, le Star Wars est magnifique, hein, vous avez vu, comme promis. Donc on se dit à bientôt, on fera une autre vidéo avec mon ami, mais j'aurais bien qu'en commentaire vous puissiez choisir le déguisement. C'est oui, faisable, on a du Yoshi, on a plein de choses. Hein. Donc il y a une opération aussi au mois d'avril, l'association Crazy Flip qui fait gagner des différents lots comme la casquette Mario, ça peut être des cravates, des mugs, etc. C'est cadeau, c'est offert par Dynamic Games, donc il y a quand même un peu plus de 800 euros de marchandises, 900 euros de marchandises. C'est cadeau, c'est pour les enfants et il y a différents lieux, on passera l'annonce sur Facebook et on vous attend nombreux, c'est gratuit, totalement gratuit. C'est vous faire découvrir à l'occasion de la sortie du film Mario, en fait, le nouveau. Voilà, bon, on se dit à très bientôt, mon poulet. Oui, à très bientôt. Allez, à bientôt, les amis. Au revoir. Salut, bye bye.